appelle ça tout ça, nous avons plus d'actifs travaillants que d'actifs résidents. Services pour les enfants, crèches, relations maternelles, espaces jeunes, maisons de l'enfance, l'ensemble des services périscolaires est présent. Pas de cérémonie des vœux cette année, la faute à la crise sanitaire, dont on espère bien évidemment s'en échapper cette année 2022. Jean-Marie, on a bien travaillé en 2021. Excellemment. Excellent. Et je pense que 2022 va être encore meilleur. Je pense aussi. Alors, on a des projets. Est-ce qu'on peut les décliner tous les deux ensemble? Tout à fait. Alors, on y va. Le premier. La maison médicale. La maison médicale. 5 médecins, 3 infirmiers. Exceptionnel. Un bâtiment de 500 mètres carrés qui va pas tarder à sortir de terre. Les fondations sont en cours, sont vraisemblablement terminées à la fin de l'année. Voilà. Superbe. Peu de communes ont une maison médicale dans laquelle les propriétaires sont les médecins eux-mêmes. Ce qui est un gage de stabilité de la maison et des équipes médicales. Et ce qui donnera aussi à chaque Chapelois la possibilité d'avoir un médecin référent. Et ce n'est pas partout comme ça dans le département. Deuxième dossier, Jean-Marie. La piste cyclable de La Chapelle-Bourges, comme vous le savez, qui est un projet qui est conduit par l'agglomération, la communauté d'agglo, qui va démarrer très vraisemblablement au printemps prochain, qui va passer par le chemin de Villeneuve pour rejoindre le canal de Berry par Pierrelet. Voilà. C'est une belle prouesse technique et c'est en plus un bel investissement d'un peu plus de 500 000 euros. Pour les Chapelois, donc pour la promotion de la pratique des déplacements doux. Ensuite, waouh, beau projet. Un excellent projet, la résidence personnes âgées, qui sera donc en face de l'ancienne station d'épuration. Un projet qui va comporter 16 studios privatifs, bien sûr, avec des communs, des grandes salles communes, où les pensionnaires pourront, s'ils le souhaitent, partager le repas, faire la cuisine ensemble, faire différentes activités, etc. Avec toujours la présence de deux gouvernantes qui seront en permanence sur place pour assurer les courses, pour assurer le bien-vivre de cette petite communauté qui se mettra en place tranquillement. Tu as dit privatif, ce n'est pas exactement privatif. En fait, les résidents seront locataires de leur studio. Chacun chez soi et chacun ayant la possibilité d'aller finalement vivre ensemble. C'est un superbe projet également. Ensuite, attends, j'arrive à pas attraper mon petit papier, voilà. Le lotissement des Ailiers, avec 16 logements locatifs, qui se trouvera route de Bourges, à la sortie de la chapelle, juste avant l'actuel lotissement qui est en cours de finition. Vous avez déjà vu plusieurs maisons qui sont sorties de terre. Donc ce lotissement comportera 16 logements qui seront donc HLM, et également il y aura des maisons, 11 maisons privées, qui seront installées ultérieurement. Voilà. Et bon. Qui viendront compléter, mon cher Jean-Marie, le programme des Hauts de la Chapelle. Voilà. 51 logements, 51 terrains à construire, qui ont tous ou presque trouvé acquéreur. Donc c'est un fort développement, côté Bourges, des espaces urbanisés. Ça en fait des projets tout de même, hein. Mais on ne s'arrête pas là. Jean-Marie. Une très belle réalisation pour tous nos jeunes de la Chapelle. C'est la mise en service du circuit de cyclocross qui se trouve dans un espace qui s'appelle le Pré Pertelin, si vous le savez où c'est, juste le long du chemin de
Marmagne, non de. Ouais, qui va vers Marmagne, des Grenades. Chemin des Grenades. C'est derrière le stade, derrière le grand stade d'honneur. Donc le bois continuera d'exister. Il ne s'agit pas de raser le bois, bien sûr, parce que vous savez qu'à la chapelle, on adore les arbres. Donc le circuit va être aménagé avec des différents obstacles du niveau au niveau national, bien sûr, parce qu'il s'agira de pouvoir accueillir des compétitions dans cette discipline qui est encore très peu connue. C'est un peu du bike, un peu du cyclocross. Et ce sera évidemment accessible à tous les enfants, les adolescents ou les adultes qui voudront se balader en VTT. Ou même en running. Voilà, ou en même running, courir. Tout à fait. Même courir. En freelance. C'est tout, sinon on ne va pas avoir le temps de finir. Voilà. Les gens vont zapper avant que ce soit fini. Jean-Marie, quoi d'autre? Les deux cours de tennis couverts. Un projet très structurant pour la chapelle. Vous savez qu'on a une association très dynamique, un club de tennis qui est extrêmement dynamique, qui ne demande qu'à connaître davantage de compétitions. Et pour ce faire, il nous faut absolument des cours couverts pour que la pratique se développe encore davantage. Deux cours qui comporteront également toute une infrastructure, des sanitaires, un club house et des bureaux également à l'intérieur de ces deux cours. Un projet qui ne va pas être bien loin d'un million d'euros. Donc on espère le faire sortir de terre. Un million d'euros, c'est la raison pour laquelle on cherche des financements de tous les côtés. Comme on sait si bien faire ici, on cherche toujours à dire bah, on n'est pas riche, il faut nous aider. Donc les études en 2022, Jean-Marie. Voilà, 2022. Hein. Ensuite, le premier immeuble. Le premier immeuble de l'ancien garage Peugeot. Cet immeuble, le permis de construire va pas tarder à arriver avant la fin de l'année 2021. Un immeuble qui va comporter trois niveaux. Un premier niveau qui sera au niveau de la route de la rue de l'église, juste en face de la boulangerie. Avec un retrait de 8 mètres, voilà, pour laisser du confort aux piétons. Qui sera destiné à accueillir à la fois des commerces du tertiaire, des entreprises, et deux autres niveaux, donc le deuxième et le troisième niveau, qui comporteront des logements, qui seront en privatif cette fois, qui seront accessibles. 12 logements. 12 logements, donc chaque niveau comportera 6 logements, accessibles à des personnes à mobilité réduite, avec également des box qui serviront de garage sur l'arrière, du côté du cœur de Beau. Voilà, très beau projet. Super, allons vite parce qu'on n'a pas fini, parce qu'après on a l'inauguration de la centrale photovoltaïque. Ça a l'air de rien, c'est un dossier qui a mis plus de 15 ans à aboutir. C'est la production d'électricité pour plus de 8000 foyers, sans effet de serre, sans dégagement de gaz, c'est une énergie intégralement renouvelable. J'aurai l'occasion d'en parler, nous aurons l'occasion d'en parler. On va inaugurer ce bel équipement, le plus grand du département, pour l'instant, au mois de juin prochain. Sans doute vers le 21 juin. Exactement. Ah, et celui-là, il est beau aussi, celui-là, Jean-Marie. Alors, voilà. Un projet extrêmement original, qui n'existe pratiquement pas dans le département, et vraisemblablement dans d'autres départements. Un projet de niche, que je dirais, au niveau économique, puisqu'il s'agit d'un crématorium pour les animaux de compagnie, les chiens, les chats, etc. Très beau projet qui se situera en zone industrielle. C'est une niche 3 pieds sous terre. Pas loin de la réserve naturelle, à côté de la réserve naturelle. Bon, voilà. Parfait. Le lancement de la base logistique. Alors là, c'est un bâtiment de 83 000 m² à l'encoignure de la voie ferrée et de l'autoroute. Qui devrait procurer plusieurs centaines d'emplois. C'est de quoi donner du boulot à tout le monde et surtout de valoriser les biens particuliers de chaque chapelois. La chapelle va prendre de la valeur avec ce beau projet qui a requis tout de même plus de 6 ans de travail, oui, mais qui en passe d'aboutir. Je te laisse finir, Jean-Marie, parce que tout de même, la liste est longue. Et nos enfants, pour le confort de nos enfants et également de toute l'équipe enseignante et les autres personnes, évidemment, de la maison de l'enfance, nous allons dans le préau qui existe dans la grande cour, à proximité de la grande cour de l'école élémentaire. Nous allons créer à la fois des sanitaires, on va doubler au minimum la capacité des sanitaires. Vous savez qu'avec le Covid, on s'est rendu compte qu'on était un peu juste. Et on va également créer des bureaux, à la fois pour l'accueil des parents et pour le confort de la directrice qui pourra travailler et accueillir les parents dans de meilleures conditions. Tout ça pour le bien de nos écoles. Voilà. Bravo Jean-Marie, on va laisser le mot de la fin à nos enfants qui vont vous souhaiter à tous une bonne année 2022. Bonne année à la chapelle Saint-Ursin, bonne année à chacun de ses habitants. Merci Jean-Marie pour l'excellence de ton travail et à tout le conseil municipal qui m'accompagne dans l'aventure quotidienne de la gestion de notre belle commune. Merci beaucoup.